coucou les filles. Bah voilà ma tête. Ouh, ça va ma sweetie? Ma tête aux premières lueurs du réveil. Il est 6h du matin. On est samedi et ouais voilà. Donc là, il y a nos fakes, hein. Il n'y a rien de... Voilà. Je me suis dit que j'allais faire un petit vlog aujourd'hui. Je sais pas pourquoi. Je sais pas si ça vous plaira d'ailleurs. T'as faim? T'as faim? Attends, attends, attends. Maman, elle mange avant. Je vais vous montrer ce que je fais le matin. Donc déjà, la première chose, je me lave pas à l'eau. Hein. Je prends l'eau de rose, là, vous savez, de Action. Oh, j'ai une voix de charcutière. Allez, je fume plus. Hein. Charcutière, non. Pas forcément. Je vais mettre un petit... Hop, ça, ça vient de chez nous. Donc, je me fais... Voilà. Et sweetie, vous allez l'entendre souffloter. Et je suis hyper contente de mes piercings. Franchement, adoration, je kiffe trop. Faut que je leur demande de me percer. Tiens, mercredi, elle vient. Je vais leur demander de me percer encore. J'aime trop. Alors, ouais, je fais surtout bien autour des yeux. Parce qu'en plus, ça, c'est cool. Parce que... ça pique pas autour des yeux, quoi. Donc, je les sens toujours bien dans le cou, moi. Et je finis autour de la bouche. Tu vois, c'est toujours salin. Le visage, c'est toujours ça. Toujours sol. Je mets toujours un indice 50. Tu vois, je mets vraiment une petite noisette comme ça. Non, c'est pas une noisette. Si, c'est une noisette. Et là, en ce moment, bah, je finis ça. Je sais, c'est pour la nuit, mais je l'avais dans mon sac de sport depuis avant le confinement. Bon, ça va, il est encore bon. Il ne fait pas de boutons. Et voilà. Et après, du coup, ça, je le laisse bien pénétré, tu vois, pendant que je prends mon petit déj. D'habitude, je me maquille. Hein. Mon réveil, il a sonné, du coup, j'en ai sauté la vidéo. Je me maquille, mais là, je vais le faire un live tout à l'heure. Je pense. Hein. Donc, je passe bien au contour des yeux parce que je n'ai plus de crème contour des yeux. Donc, je me sers de ça ou tu prends une petite huile de chez Action. Voilà, et je fais ça. Et souvent, même si je vais manger après, je prends un peu de vaseline, là, vous savez. C'est ça. Ensuite, je prends ça. Hop. Ça, c'est mon nouveau délire, c'est les débardeurs Petit Bateau. J'ai redécouvert la marque Petit Bateau. Je suis fin folle. Ça, tout ça, ça vient de chez Action. Et en ce moment, ce que j'aime bien aussi mettre, c'est ça. Je l'ai eu chez Auchan, ça sent trop bon. C'est le petit parfum Reine des Neiges. Ensuite, alors, hop. Je brosse mes cheveux. Hein. Ils ont morflé cet été, je te le dis. Et puis, ce que je fais aussi, c'est que ma copine Jamila, elle m'a filé... Une petite huile, elle est allée. J'ai une petite huile, c'est la marque, c'est Soa. Donc j'en fais un petit ou deux. Voilà. Et je fais ça. Et souvent, en fait, quand j'ai pas envie de me casser, je prends, je fais une petite crotte là. Hop, hop. Là, ma mère, elle m'a racheté toute la gamme qui reste. Enfin, toute la gamme, non, le masque. Et le shampoing Kérastase vert, là. Donc, on va pouvoir repartir là-dessus. Là, j'étais sur... Je me suis lavé avec celui-là. Donc, top, top, top. J'ai essayé, ah oui, il faut que je vous dise, cette gamme-là, de chez Sienne, elle est horrible. Si ça... Si vous êtes d'accord, hein, tapez sur un. Bah tiens, d'ailleurs, le shampoing, je vais... Ouais, je vais le garder, voilà. Je vais me le mettre là pour me laver les mains. Tu vois, alors ça sent fleur d'oranger, c'est quoi fleur d'oranger, huile d'argan. Franchement, je trouve que les cheveux ils sont affreux avec ça. Je sais pas si vous l'avez testé ou pas. Moi, à chaque fois que je dis ça, il y en a une qui va me dire que c'est le meilleur shampoing de sa vie, hein, mais c'est toujours comme ça. Hein. Je peux pas vous conseiller vraiment. Moi, c'est pour mes cheveux, quoi. C'est comme tout, c'est comme pour la peau, comme le make-up. Des fois, il y a les oh, dis donc, il faut retravailler un petit peu ça, ma nénette là. Genre. Oui, mon nouveau délire en ce moment, c'est d'aller à la salle à 21h. Hier, j'y suis allée à 20h45. Va comprendre.
Allez, au petit-déj. Alors, il est 8h05 avec cette grosse dondon là. Nous sommes allés un petit peu faire le petit pipi, le petit caca du matin, normal. La tête que j'ai, tiens, j'ai pas dormi. Oh, ma gaffe. Donc, je lui ai dit que, enfin, j'ai eu comme idée d'aller cueillir des pommes. Oui, parce qu'il y a un champ. Dans un, bon, c'est à Noyon, hein, c'est pas loin de chez moi, mais le quartier s'appelle Tarlefesse. Il y a des champs où il y a moult pommiers. Donc bah, je pense que elles sont trop bonnes en plus. Et elles sont un petit peu avancées. Les... Enfin, ça veut dire que ma copine, elle m'a dit qu'elles sont... Ah, elles sont... mûres tôt. C'est pas compris. Enfin bref, elles arrivent tôt. Voilà, je sais plus. Il y a un mot. C'est pas tardif. C'est... Voilà. Elles sont early, quoi. Et donc nous sommes en partance à 8h du matin pour aller à Tarlefesse, pour aller cueillir des pommes bien sûr. Donc elles sont vraiment toutes petites mais elles sont excellentes. Donc j'ai pris mon petit sac, j'ai pris la sweetie et on va aller cueillir des pommes. Alors je me suis dit qu'on allait faire un vlog, souvent vous me demandez de faire des vlogs. Alors ma vie n'est pas passionnante du tout, mais du tout. Donc bah, je vais vous filmer une petite journée avec moi, on est samedi. Je sais même pas ce que je vais faire parce que là, bon, il a plu, bon, ça y est, c'est fini. Je ne sais même pas ce que je vais faire aujourd'hui. Je sais que je dois aller à la salle de sport. J'ai du boulot pour l'école, mais j'essaye de pas le faire le samedi. J'essaye d'en faire juste le dimanche après-midi, bien souvent, ou un peu le dimanche matin. Parce que sinon, en fait, l'école, le truc, c'est que c'est la trappe couillon, c'est que t'arrêtes pas, en fait. Parce que si tu... Bon, je vais à l'école, hein, parce que j'habite à 5 minutes. Mais avant, j'habitais à 30 minutes de l'école, donc j'y allais plus. Mais là, du coup, c'est la trappe couillon, c'est-à-dire que t'as toujours un truc à aller rechercher, un truc à repréparer, un truc à plastifier, et du coup, tu passes des heures à l'école, quoi. Donc, j'essaye de pas trop y aller, j'essaye de me limiter, en fait. C'est bizarre ce que je suis en train de dire, parce que c'est quand même mon boulot. Mais sinon, t'arrêtes pas. Donc, je sais pas, j'ai des petites choses à faire à la maison. Est-ce que je les fais là, dans l'après-midi? Peut-être. Peut-être. Ou demain. Sinon, je pense que là, à 9h, j'ai bien envie d'aller chez Action et d'aller chercher une nouvelle palette. Il y a une nouvelle palette là de make-up, où je pense que j'utiliserai juste pour un live, mais je vais peut-être vous faire un live après. Normalement, je vous fais un live, hein. C'est prévu. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Bah là, je sais pas vraiment ce qu'on a à faire aujourd'hui, hein. Je vous dis, je fais les lessives, là... Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un petit peu de rangement déjà. Oui, je suis levée depuis 6h. Non, 5h, 5h, je sais pas ce qui m'est arrivé, je me suis réveillée à 5h. Et puis voilà, j'irai peut-être faire un petit tour. Je voulais aller faire un petit tour aux étangs Saint-Pierre, c'est à 30 minutes d'ici en voiture, c'est les étangs, c'est joli. Peut-être faire un petit goûter là-bas ou même un pique-nique, j'en sais rien.
On verra. Donc ça va être le vlog pour dire rien du tout. Hein. Bon allez, je vous retrouve au pommier. Les gars, c'est un temps d'automne complet. Gloomy, gloomy. Donc là, nous sommes en train de nous rendre. Je débute hein, dans le vlog. Nous sommes en train de nous rendre au pommier, donc on y va. Suite, elle est excitée comme une puce. Vous voyez, tout ça, ce sont des pommiers. Et ces pommes sont magnifiques. Donc nous, nous allons en cueillir, bien sûr. Gardez-moi ça. Gardez-moi ça. Suite, tu manges pas toutes les pommes, hein? Il y en a partout, partout, partout. Et elles sont jamais cueillies. Tous les ans, c'est pareil. Bon, l'année dernière, il n'a pas trop donné. Parce que c'est en plein milieu de nulle part. Regardez comme il fait beau. Magnifique, n'est-ce pas? Ouais. Ouais, ouais, ouais. Donc voilà, elles finissent en principe comme ça. Donc, bah, on va en cueillir. Et voilà le butin. On s'est fait rincer la tronche avec Sweetie. Mais bon, celle-là n'est pas très belle. Voilà, donc je vais les laisser sécher un petit peu là. Et je vais aller faire un petit touche à action. Hein, ma Sweetie? Ça va, mon bébé? Sweetie? Mon amoureuse, que je cueillis. Ah, voilà. Voilà, donc j'ai dû me changer, évidemment, puisque je me suis fait saucer. Donc, voilà. Bah, ça frise, hein, fatalement. C'est pas grave. Il est beau quand même. C'était juste pour dire rien du tout.
de la grande cuisine. Alors, il est 7h15, les filles. Je viens de finir de manger. Et du coup, là, je regarde l'émission là sur, je crois que c'est la 22, un truc comme ça. Sous les jupons de l'histoire avec Christine Bravo. La 25, pardon. Sur Chéri 25. J'aime bien ce truc-là, c'est sympa. Et en même temps, là, du coup, je vais préparer l'écriture pour mes élèves pour lundi. Parce qu'il faut que je digère un peu. Alors, j'ai les lunettes, c'est la deuxième paire à 1 euro, là. Elle n'est pas sans reflet, tout ça. Elle, c'est un peu galère, mais ma première paire de Guess, elle est déglingos. Et puis, elle est toute de travers. Il faut que j'aille la faire resserrer. Et puis, surtout, il faut que j'aille me reprendre des lentilles. Parce que là, en plus, avec le masque, c'est horrible. Donc, alors, attends, on est le 5, demain 6 et 7. Voilà, 7 septembre. Qu'est-ce que je veux dire? Donc là, je prépare leur écriture. On va faire la lettre I, si ça intéresse quelqu'un. Attends, je me concentre quand même pour bien écrire. J'ai pris ma douche et je pense, aller après à la salle de sport faire un petit cours de... Comment? Je pense que je vais faire abdos, fessiers, un truc comme ça. Ou abdos et puis peut-être un petit cours de step rapide, un truc... Trois quarts d'heure, tu vois. J'essaie d'y aller régulièrement, mais... Ou body sculpt. Hein. J'ai fait ça hier. Hier, j'ai fait une petite heure, mais d'ordre de genre de 21 à 22, quoi. C'est mon nouveau credo, alors que j'aime pas le soir. Mais là, je sais pas, j'ai envie de changer un petit peu mes habitudes. Donc, voilà. Donc, je fais mon écriture et puis, ben, je vous reprends tout à l'heure. Je pense à la salle de sport. Bienvenue au cours de body sculpt corps tonique. On va travailler tout le corps. Marchez! Après, on rentre à la niche. 10 minutes pour se finir. Allez, c'est parti, mon coquille. Bon, bah voilà, les filles, il est 22h bientôt. Séance de sport finie, je viens de rentrer chez moi. J'ai un peu défraîchi. Il y a la trace de la casquette. Je vais essayer de monter le vlog là, devant la télé. Je sais pas ce qu'il y a à la télé. Où est-ce qu'elle est, ma télécommande? Je vais mettre la télé. Et puis, bah voilà. J'espère que ça vous aura plu. Bon, c'est pas des journées de ouf, hein. Je fais rien de ouf, mais si ça vous plaît, j'essaierai peut-être d'en refaire.
Donc, bah, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une bonne nuit. J'ai chopé un bouton avec le masque. Demain, c'est la brocante. Donc, ben, il y a plein de brocantes demain. Donc, on va se faire une brocante. Hein. Et puis, on fera un petit retour de brocante. Je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Bon week-end à tous.